Good afternoon, Saeed. Are you there, Saeed? Yes, how are you, John? How are you doing today? Fine, and you? Good. Good. A lot of conferences. Yes, I know. I see that. It's, we just had one from Seattle. Yes. It went good, but they didn't connect it to the YouTube. Yeah. It was hard for me, but I don't know if you saw that. Uriel, how are you? It's connected. Bonsoir, Dr. Saïd, ça va? Bonsoir, comment ça va? Tout va bien, merci. Ah ben super. Je suis heureux que tu sois là. Good morning, Dr. Bennett. What? Qu'est-ce que vous dites, Dr. Saïd? Je dis, je suis heureux que tu sois là. Docteur, je ne comprends pas ça. Désolé. Je suis heureux que tu sois là, que tu sois présent. Oh, oh merci, docteur. Merci beaucoup. Hey, John. Yeah. Yes. Hey, no, Uriel, I'm glad you came. No, doctor, you have a big webinar. So we should manage that because we have a lot of webinars. So I don't know if for French neurosurgery we continue with that or with we should have another canal to do it if we have a presentation with others at the same time. I had two at the same time, one from Egypt and one from Seattle. I just put them on different pages. Yes. And you can watch them when you want. You know, as long as they televise it on YouTube, I can put as many as I want on the website. It doesn't have to be. However, if it's I can't do two Zooms at the same time. Yeah. I can just, Trung, how are you doing? I don't know if you met Trung from Vietnam, which apparently is French speaking, mostly. Bonjour, Trung. Yeah, I'm not sure if they do their conferences in French or Vietnamese. Trung, are you there? The Vietnamese speak French. Yeah, I know. Generally. Comment ça va, Trung? Good evening, everybody. Good evening. How are you? I'm fine. Yes. Yes, I can speak in French. I also study in the neurosurgery department of Professor Henry Dufour about 6 years ago. Ah, yes. Yeah. Are the conferences in French or English? Are the conferences in French, English, or Vietnamese? Yes, in my country, English and French are two of the most popular foreign language. Okay. So the neurosurgery organizations do it in English and French? Not most of them, but I think that about 70 to 60% of Vietnamese neurosurgeons can speak both English and French. Oh, okay. Yes. Very good. How about Saeed? The island of Reunion. Is it mostly French on the street? Yes, it's French department, so we speak French. Very French. Yes. Most people, that's the language of the country, right? Yeah. Okay.
Let's see, the speaker is from Marseille, right? He's spoken yes. before, Henry. Henri Dufour, yes. Today. So he likes this platform, huh? Yes, he's my great, it's a friend, a great friend. Oh, okay. We were together in Marseille. Yeah, you know, they say you should always have a friend in Paris. Adolescent, excuse me? I've heard people say you should always have a friend in Paris. Yes, yes. But sometimes in your lifetime, you're going to go there. Yeah. It's a beautiful city. I went before I had a friend, but the next time I want to go connected to neurosurgery. Yeah. In Paris. Yeah. But, yeah. I'm trying to arrange a conference now in Spain. Yeah. They want to telecast December 16th, 17th, 18th. But we're having a hard time putting it together because their hospital has absolutely no internet. We're going to have to, but you can bring wireless, like a wireless modem into the hospital. And they said, the company said it's just as good as a really good connection. But we'll see. We'll see. Mm-hmm. We're going to test it to see if you can bring. It's no bigger than the size of a notebook. It's like a modem, and they bring it into the hospital, and it connects you wirelessly. But it was which city in Spain? It's in Madrid. Ah, Madrid. Yes, it's a great center of neurosurgery. I'm going to tell them, hey, I'll go there. I'll go there and help you set it up because they don't know how to hook up the laboratory. Because to film in a lab, you've got to have the right setup with the camera and everything so you can see the dissection and you can hear audio. So they can comment while they dissect. They don't know that. Yes. I don't think they know how to hook up the cameras in the operating room, you know, the cameras of the endoscope and the cameras of a microscope. So that's going to be a challenge. Mm-hmm. But we have a couple of months to get it together, month and a half. Okay. We don't have yet Dr. Dufour. Oh, Dr. Dufour's here, right? He was in for a little bit. I think he may have fallen out. I call him. There'll be people coming in as we go along. Yes, I call him. There's Henry. Voilà, attends, j'éteins parce que je suis en écho là. D'accord. Welcome, Henry. Bienvenidos, bon home. Ok. Ouais, elle marche pas la vidéo. Ça va venir. Hello, Mahmoud. Bonjour, Mahmoud. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, ça va. Bonjour, Henri. Salut. Salut. Bonjour. Tu es à l'aéroport, Mahmoud? Oui. Oui. Ça va. Pas trop fatigué. Where are you from? Switzerland. Oh, good. Good. Welcome.
I think you've been here before, right? Yes. Yeah. 2 weeks ago. Yeah, okay. Very good. You got 4 minutes. Yeah, let me show you guys what we got going on as far as telecasting. Ça marche pas mon partage d'écran. Henri have the problem. What's that? Share my screen. Oh, okay. Let me go through it. You having a problem sharing the screen? Yes. Okay, you go. I try again. You got it. It's good. It's okay. Good. Yeah, go to the next slide. Go to the next slide. You've got please. It? Yes. Next slide, please. You have got it? Yeah. Can you go to the next slide? Next slide, please, to make sure it's working okay. Okay, that's good. Perfect. Perfect. Okay, do you mind if we introduce you with your full face, please? So you need to get off that. Okay. So I don't think that people want to meet a little guy, a little screen. Can you get off I'll get you off there. I'll be unceremoniously boot you off. Okay. Yeah, just hold on, Henry. That way, when we introduce you, we can see you. Okay, I took you off the screen share, but you can go back on, okay? When you're ready to start. I'm ready to start. Okay, I'll let you know. And I'm just going to introduce Uriel. I'll do the countdown and you just take over. 100% French. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. No Espanol, no English. Here we go. Je suis prêt. OK. Calm down. Hello, Carl. Welcome, Carl. Fine, you. How are you doing? You're a regular. You got a seat in the front row. Okay. It's time now. Wow, we're getting a few Vietnamese, Trung. Another one. Henri. Yes. Tu as un collègue vietnamien qui est passé chez toi. Trung. Yes. Good afternoon, Trung. Or good morning. What time is it in Vietnam? Good evening, Monsieur Dufour. Ah, hello. You remember me? Yes. Yeah, thank you for remembering. Okay, we're ready to start. Gentlemen, okay. Yes. Okay, Uriel, you ready? Okay, 10, I'm ready. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Nous partageons avec une autre édition de la chaîne d'éducation en neurochirurgie, neurosurgical.tv. Aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir présenter les plus célèbres séries de lecture francophone, French Neurosurgical Grand Rounds. Je suis Uriel Tarlevega de l'équipe des étudiants de neurosurgical.tv et aussi président de la Société péruvienne des étudiants de neurochirurgie et neurosciences. Et sans plus tarder, ravi de vous présenter un médecin incroyable et une personne fantastique, le responsable du webinaire de French Neurosurgical Grand Rounds, le docteur Saïd Taha. Docteur Taha, comment allez-vous? Merci, Ariel. Bienvenue, chers amis, à notre webinaire French Neurosurgical Grand Rounds, à ceux qui sont sur le Zoom et ceux qui sont sur WhatsApp.
Nous avons l'honneur d'avoir une deuxième fois le professeur Henri Dufour, notre ami de Marseille, de CHU de Latimone, qui va nous traiter ce jour les méningiomes du tubercule de la selle turcique. Henri Dufour a une longue expérience de cette chirurgie. Il a fait une très belle thèse sur ce sujet en 1992, que j'ai relu avec plaisir. Et j'espère que vous allez vous régaler avec ce webinaire. Et on attend beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. À toi, Henri. Merci. Hey, John, can I get my screen? It's possible? Yes, restart. I have to restart? Okay. No. No. Go ahead. Just share the screen now. Don't have it. Not yet. There you go. Perfect. Okay. Perfect. Okay, we can go? Yes. So I will continue in French, if you accept. It's possible? French, please. Okay, thank you. Bon après-midi à tous. C'est un plaisir de parler de ce sujet. Merci Saïd, merci John, merci à tous d'être là. Oui, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis ma thèse. Bon, Saïd, c'est gentil à toi de l'avoir relu, mais les choses ont un petit peu évolué depuis, heureusement d'ailleurs. C'est pour moi de toute façon un grand plaisir de parler de ce travail parce que après la thèse, j'ai continué bien entendu à m'intéresser à ces tumeurs et à essayer de progresser dans ce domaine pour améliorer le pronostic de nos patients. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les réflexions au cours de ces 20 dernières années. On voit l'écran là? Just be patient. I think the connection is not. Oui, on voit l'écran. On voit l'écran, on voit le. Oui, tout va bien. Vas-y. Ok, et là? Oui. C'est ok? Yes. Et là, c'est ok? Yes. Oui. Yes. Ok. Perfect. So, donc, on va parler des méningiomes du tubercule de la selle. Mais comme l'a fait remarquer. Saïd, j'ai fait mon travail de thèse sur ces méningiomes-là, et déjà à l'époque, on hésitait quand même à les appeler méningiomes du tubercule de la selle, parce qu'en fait, ils s'insèrent pas seulement sur le tubercule, ce sont des méningiomes qui peuvent s'insérer sur le tubercule de la selle, sur la partie postérieure du jugum sphénoïdal au niveau du limbus sphénoïdal, sur la gouttière optique, d'ailleurs on va voir qu'ils s'insèrent plus souvent sur la gouttière optique que sur le tubercule de la selle. Et c'est pour ça que déjà, à l'époque, dans la thèse, on l'avait appelé méningiome supracellaire à insertion limbo-tuberculo-diaphragmatique. Bon, c'est un terme un petit peu compliqué et on verra qu'on l'a simplifié. Ça me permet de rendre hommage à mes deux mentors pour cette thèse. D'abord, mon patron François Grisoli et Rémi Van Effenter, avec qui j'avais travaillé à l'époque et de qui j'ai énormément appris sur ces méningiomes et qui m'ont donné tous les deux envie de continuer dans ce domaine. Donc, quand on prend la vieille littérature sur les méningiomes de la région, on trouve supracellaire méningioma, et dans supracellaire méningioma, on y trouvait des méningiomes du planum et des gouttières olfactives, des méningiomes de la clinoïde et des méningiomes du tubercule de la selle. En fait, c'est important de les étudier seuls, ces méningiomes du tubercule de la selle, parce qu'ils ont une façon de se comporter avec les nerfs optiques qui est bien à eux et qui n'a rien à voir avec les méningiomes de la clinoïde, comme on le voit ici, ou des méningiomes du planum, ou qui, même quand ils rentrent en contact avec les voies optiques, le font tardivement dans leur évolution, chargent les voies optiques en appuyant sur les voies optiques, en sont quasiment toujours protégés par un voile arachnoïdien, donc je veux dire, elle ne pose pas du tout les mêmes problèmes pronostiques ni les mêmes problèmes de résection chirurgicale. C'est pour ça qu'il faut les étudier à part. Donc, les méningiomes du tubercule de la selle sont des méningiomes qui sont rares, hein, c'est à peine 3% des méningiomes intracrâniens, et pourtant, quand on regarde dans la littérature,
j'ai encore regardé hier soir, c'est 372 publications depuis 1990, c'est dire si ces ménagiomes intéressent, intriguent et posent des problèmes et des questions en termes notamment de voie d'abord. Alors, pourquoi on les appelle ménagiomes du tubercule de la selle ? Ben, c'est parce qu'ils s'insèrent parfois sur le tubercule de la selle, c'est-à-dire cet éperon osseux qu'il y a entre la gouttière optique et la cavité cellaire. Et ces ménagiomes, en s'insérant en fait soit sous le tubercule, soit sur la gouttière optique, soit sur le limbus sphénoïdal, vont se développer et croître en dedans des nerfs optiques. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux préférentiellement les appeler ménagiomes interoptiques. Et en se développant, ils vont pousser latéralement les nerfs optiques et entrer en contact avec la partie interne des nerfs optiques. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que ces méningiomes s'insèrent, et ça a été publié par Lee dans World Neurosurgery en 2016, comme on l'a tous constaté, ce sont des méningiomes qui ne s'insèrent pas souvent sur la ligne médiane, ils s'insèrent latéralement, alors en médian et en paramédian, ou latéralement par rapport à la ligne médiane, et dans la grande majorité des cas, 85% des cas, ces méningiomes ne s'insèrent pas au milieu, mais ils s'insèrent un peu latéralement, ce qui fait qu'ils vont se développer de façon asymétrique, et ils vont charger les nerfs optiques de façon asymétrique. Dans notre publication du début de l'année dans Neurosurgical Review qu'avait écrit Lucas Troudet quand il était passé dans le service, on avait ressorti 94 patients, c'est une étude dont je vous parlerai tout à l'heure, et on avait trouvé 84% d'insertion paramédiane et seulement 16% d'insertion médiane. Et curieusement, alors bon, ça n'a pas d'incidence, mais cette insertion médiane, quand elle est présente, elle est beaucoup, beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme. C'est-à-dire que les hommes ont beaucoup plus fréquemment, quasiment une fois sur deux, une insertion sur la ligne médiane, alors que les femmes ont des méningiomes qui s'insèrent plutôt latéralement. Donc, ils se développent de façon asymétrique, ils compriment donc de façon asymétrique les voies optiques. On voit très bien ici sur ce dessin issu à droite de la coupe coronale T2 qu'il y a à gauche, les nerfs optiques sont représentés en jaune, le méningiome est en violet, et on voit très bien que le nerf optique droit est pratiquement pas comprimé, alors que le nerf optique gauche est étalé. Donc c'est pour ça que ces méningiomes, plutôt que de les appeler du tubercule ou limbo-tuberculo, c'est peut-être plus pratique de les appeler méningiomes interoptiques, comme ça on englobe tout, et quand un méningiome s'insère entre les deux nerfs optiques, il pose... que ce soit sur la gouttière, le limbus ou le tubercule, ou même le diaphragme cellaire, il pose à peu près les mêmes problèmes que son voisin de la gouttière. Alors, il faut considérer quelques variétés anatomiques qui peuvent influencer sur l'évolution du méningiome. On connaît tous ça, les patients ne sont pas égaux devant la compression des nerfs optiques. Il y a des patients qui ont des nerfs optiques particulièrement longs, et on voit dans cet exemple d'adénome hypophysaire que même s'il présente une expansion supracellaire, il passe entre les nerfs optiques. On le sait, hein, il y a des patients qui ont des nerfs optiques longs, et quand ils ont des nerfs optiques longs, ça laisse un espace assez large entre les nerfs optiques pour qu'une tumeur à point de départ hypophysaire ou à point de départ méningé interoptique se développe un peu plus longtemps qu'elle ne l'aurait fait chez quelqu'un qui a des nerfs optiques un peu plus courts. Alors, nerf optique long ou chiasma post-fixé ou nerf optique court et chiasma préfixé, c'est un synonyme, c'est simplement la façon de le dénommer, soit par rapport à la longueur des nerfs optiques, soit par rapport à la position du chiasma. Mais si on imagine un patient, et c'est quand même 20% de la population qui a des nerfs optiques qui sont plus longs, qui a donc des nerfs optiques avec un chiasma qui est plutôt postérieur, ces nerfs optiques longs vont conditionner, les nerfs optiques courts vont conditionner la précocité et la bilatéralité de l'atteinte au cours d'histoire naturelle d'un méningiome. On voit qu'à insertion équivalente et volume équivalent, un méningiome interoptique qui survient sur des nerfs optiques courts va plus comprimer et plus précocement comprimer les deux nerfs optiques qu'un méningiome identique qui va survenir sur des nerfs optiques longs. Alors, dans leur développement, ces méningiomes vont entraîner des points de conflit très différents sur les voies visuelles. Et en fait, de l'expérience qu'on en a et des constatations opératoires qu'on a pu faire et que j'ai pu établir, en fait, ça n'est pas la compression directe du nerf optique dans sa portion cisternale ou du chiasma qui va conditionner la symptomatologie clinique. En fait, il y a quatre points de compression. Il y a bien entendu la compression directe
du nerf optique par le méningiome, mais il y a le fait aussi que le méningiome va pousser et soulever le nerf optique qui va venir se briser, se comprimer contre le ligament falciforme, qui est cette bride méningée tendue d'un limbus, latéralement du limbus sphénoïdal au toit du canal optique, et c'est une bride méningée qui est résistante, et quand le méningiome est poussé par en dessous, le méningiome va s'abîmer et être comprimé sur cette bride méningée, et ça va entraîner des symptômes visuels. De la même manière, quand le méningiome soulève le nerf optique et le chiasma, dans leur déplacement supérieur, le nerf optique et le chiasma vont rencontrer l'artère cérébrale antérieure dans sa portion précommunicante, hein, qui surcroise les voies optiques pour aller rejoindre son homologue contralatéral et former la communicante antérieure. Ben là aussi, et on le voit très bien, là ici vous voyez une vue endoscopique d'un patient qui avait été opéré par voie transsphénoïdale d'un méningiome. On voit très bien ici la tige hypophysaire sur la ligne médiane qui descend à 6 heures, et on voit très bien ici à gauche le nerf optique gauche qui est très affiné par le fait que, en ayant été soulevé par la tumeur, il a rencontré vers le haut l'artère cérébrale antérieure, et rien que ça, ça provoque des troubles visuels. Et quatrième point de compression, c'est que quelquefois le méningiome pénètre à l'intérieur de l'orifice endocrânien du canal optique et vient comprimer le méningiome dans ce canal qui est inextensible. Donc, plusieurs points de compression, ce qui fait que on a des tableaux cliniques visuels qui peuvent varier d'un patient à l'autre en fonction de la dominance du conflit entre le nerf optique, le chiasma optique et les éléments qui le brident. Alors, l'atteinte visuelle dans ces méningiomes, elle est présente dans la quasi-totalité des cas, plus de 90% des cas. Elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle répond de l'insertion du méningiome, c'est qu'elle est quasiment presque toujours asymétrique, avec une atteinte en règle générale débutante d'un côté et absente de l'autre, et quand elle devient sévère d'un côté, elle est en règle générale beaucoup moins sévère de l'autre. En tout cas, ça c'est dans l'actualité moderne. Quand j'avais écrit ma thèse, c'était en 92, et la série remontait aux années 80, et c'était à l'époque où les IRM n'existaient pas, ou en tout cas étaient beaucoup moins bien distribués que maintenant, ce qui fait que les diagnostics étaient quand même beaucoup plus tardifs que maintenant, et les tumeurs beaucoup plus volumineuses qu'elles ne le sont diagnostiquées maintenant. Les autres signes, ils sont anecdotiques. Les céphalées, on les rencontre de temps en temps. Quelle est la relation entre les céphalées et le méningiome? C'est toujours questionable, surtout quand le méningiome est petit. L'épilepsie est exceptionnelle, et là aussi se pose la question de la relation. Les troubles de l'olfaction, il n'y en a quasiment jamais, enfin en tout cas en préopératoire, on va voir que c'est pas rare en post-opératoire. L'hyperprolactinémie, qui est une hyperprolactinémie de déconnexion, elle survient dans 17% des cas. Enfin, ça, c'est dans la série du service. Quand on la recherche, on la trouve dans 17% des cas. Elle est liée donc à une compression de la tige hypophysaire qui interrompt le flux de dopamine entre l'hypothalamus et les cellules antéhypophysaires. Et le déficit hypophysaire, ça, je me bats chaque fois avec les étudiants, les endocrinologues qui veulent faire des bilans hypophysaires à ces patients qui ont des méningiomes du tubercule de la selle. Il y en a jamais, en tout cas jamais en préopératoire. L'hypophyse est protégée du méningiome par le diaphragme, la tige est protégée par l'arachnoïde, et à part les très rares méningiomes du diaphragme cellaire, il n'y a pas de déficit hypophysaire en préopératoire. Par contre, selon comment on s'y prend, il peut rarement y en avoir en post-opératoire. Alors pourquoi la tige hypophysaire est protégée? Ben, c'est parce qu'il faut se souvenir de ce qu'avait dit Yazargil dans les années 80, c'est que ce qu'on a constaté nous-mêmes, c'était bien de l'avoir dit à l'époque parce que ce n'était pas évident de le voir, il fallait bien connaître l'anatomie de l'arachnoïde. Les méningiomes sont des tumeurs qui sont extra-cérébrales et qui ont un point de départ qui est extra-arachnoïdien. Et l'insertion du méningiome interoptique, il se fait directement sur la base du crâne, sous l'arachnoïde, et primitivement, au début de sa croissance, il va soulever l'arachnoïde et va être protégé des nerfs optiques et de la tige hypophysaire par de l'arachnoïde. Et plus il y a de citernes qui vont être comprimées, plus il y a de couches arachnoïdiennes qui vont être comprimées, plus l'agression et l'invasion de la pimère ou des structures par le méningiome va être tardive. C'est pour ça qu'avec les méningiomes du tubercule, de la selle, avec les méningiomes interoptiques, on ne retrouve que très rarement
une invasion de la carotide interne et pratiquement jamais une invasion de la tige hypophysaire. De temps en temps, on va le voir, une invasion piale du nerf optique. Donc, je veux dire, quand on le voit très, très bien sur ce petit dessin, c'est une vue intracrânienne d'un abord de méningiome supracellaire par la gauche. On voit le nerf optique gauche, le ligament falciforme ici, le limbus sphénoïdal, le méningiome, et on voit très bien, je ne sais pas si la qualité des écrans de ceux qui nous reçoivent le permet, mais on voit très bien cet arachnoïde, ce repli arachnoïdien, qui fait qu'on voit très bien que le méningiome est extra-arachnoïdien, et il va falloir passer ici, et non pas ici, pour pouvoir essayer de respecter tout ce qui est intra-arachnoïdien, notamment les perforantes qui vascularisent les perforantes et les petits vaisseaux arachnoïdiens qui vont vasculariser le nerf optique et le chiasma, parce que je vous rappelle que le chiasma optique et les voies optiques sont principalement vascularisés par en dessous et que le méningiome arrive par en dessous, donc il va falloir essayer de respecter tout ça. Alors, le bilan radiologique, bon, ben, je veux dire, c'est les articles comme celui de Wilson en 1992, mais qui m'avait interpellé parce que dans la thèse que j'avais écrite, j'avais trouvé que il y avait un signe qui était très intéressant pour différencier le méningiome de l'adénome, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de scanners, peu d'IRM, et les IRM qu'on faisait n'étaient pas de la qualité qu'on a actuellement. Et il y avait un signe qui différenciait de façon absolue le méningiome de l'adénome, c'est ce que j'avais appelé le signe de la casquette, c'est-à-dire le méningiome qui retombe avec un angle très ouvert sur l'étage antérieur. C'est un symptôme, c'est un signe radiologique qu'on ne rencontre quasiment jamais avec un macroadénome. Et j'avais appelé ça le signe de la casquette. J'avais dit, j'ai une grosse série, il faut que je la publie. Et puis, j'avais été pris dans les tourments de l'activité. Je ne l'avais pas publié en 92. Donc, peu après que j'ai écrit ma thèse, l'équipe de Wilson, à propos de quelques cas, a écrit cet article qui a eu à l'époque, qui avait eu le mérite de bien codifier le diagnostic radiologique. Actuellement, on a des IRM fantastiques avec des séquences 3 Tesla ou des séquences 6 sur les T2 qui permettent quasiment de tout voir et notamment de bien voir les voies optiques cisternales et les rapports. Et je dirais, à l'intervention, c'est toujours bien d'avoir prévu ce qu'on va trouver, comment on va le trouver. On voit très, très bien sur cette image en haut à gauche, donc le méningiome, l'adénohypophyse, la tige hypophysaire ici en arrière, le chiasma optique et la portion A1 de la cérébelle antérieure. On voit très, très bien là qu'il y a un conflit entre la portion A1 de la cérébelle antérieure et le chiasma optique qui est soulevé. Sur l'image à côté, on voit très bien la tige hypophysaire ici, le nerf optique gauche qui est pratiquement pas comprimé par la tumeur, le nerf optique droit qui est ici comprimé par la tumeur. Et déjà, on voit un truc qui est très intéressant, que j'ai noté, bon, ce n'est peut-être pas un grand intérêt, mais 80% de ces tumeurs sont asymétriques, ça comprime le nerf optique d'un côté, et on sait que quand le nerf optique droit, par exemple, est refoulé, soulevé, et que le nerf optique gauche n'est pratiquement pas soulevé, on sait qu'on va trouver la tige hypophysaire sur le méridien opposé. C'est-à-dire que la tige hypophysaire, elle a une partie, elle a un développement, elle est comprimée. Le méningiome se développe de façon oblique, en fait, il va pousser le nerf optique d'un côté et pousser la tige hypophysaire de l'autre. Donc, si vous abordez un méningiome, si on aborde ici par exemple par la gauche, on sait que la tige hypophysaire, on ne va pratiquement pas la voir puisqu'elle va être cachée là-bas derrière le nerf optique. Ici, une autre image, on voit très bien le nerf optique gauche ici qui n'est pratiquement pas comprimé, le nerf optique droit qui est laminé, la tige hypophysaire ici sur l'autre image, le prolongement de la tige vers le haut, le tubère qui est déplacé. Autre image, le nerf optique droit ici, le nerf optique gauche, on voit très très bien ici sur cette tumeur, si on regarde un peu vite, on dit qu'elle est au milieu. Oui, elle est au milieu, mais elle a un développement asymétrique, surtout du côté droit. Le nerf optique gauche n'est pratiquement pas comprimé. On voit que le nerf optique droit, là, ici, est considérablement étalé par la lésion. Ici, un autre exemple, nerf optique gauche pratiquement pas comprimé, le nerf optique droit qui est largement comprimé. Étudier les coupes parasagittales n'est pas sans intérêt, parce que ici, coupe parasagittale, on voit très très bien, on voit le méningiome qui pénètre à l'intérieur du canal optique. Ici, on voit en vide de flux la carotide interne, on voit même le départ de l'artère ophtalmique. Ça, c'est un des pièges chirurgicaux. Quand on arrive sur la base du crâne près de la carotide, on sait que l'ophtalmique peut être, non pas incluse, mais à la surface du méningiome, il faudra faire attention. On voit de l'autre côté, par
à contrario, que ici, du côté où le méningiome arrive à peine au contact du nerf optique, que l'entrée du canal optique est totalement libre. Et ça permet aussi de bien voir les rapports entre la tumeur et les vaisseaux. L'équipe à San Francisco de McDermott, Mitchell Berger, qui s'intéresse aussi à ces tumeurs, ont essayé de codifier l'invasion canalaire, l'englobement des vaisseaux, l'extension de la tumeur au niveau des canaux optiques pour essayer d'établir un score et de pouvoir différencier les tumeurs qu'il faudra opérer par voie haute ou par voie basse. Bon, tout ça, c'est très, très discutable. En tout cas, ça a le mérite d'exister, d'essayer de codifier les choses. Depuis qu'ils ont sorti leur papier, je codifie les patients que j'opère avec ce code-là, surtout à visée prospective pour voir ce qu'il en ressort dans quelques années en termes de contrôle tumoral et de résultats visuels. Mais ça n'a pas changé grand-chose aux pratiques. L'insertion aussi est, je trouve, sur le T2, très souvent identifiable. On le voit ici sur cette image que l'insertion sur le T2 se manifeste par un hyposignal, par un vide de flux. On le sait tous, quand on opère un méningiome et qu'on s'approche de la base d'insertion, il y a des travées vasculaires. Ces travées vasculaires sont parcourues par le sang, et le sang T2, ben, ça donne un vide de flux. Et on l'identifie très, très bien ici sur ces séquences. Et on voit parfaitement là, ici, sur cette vue opératoire de ce patient qui avait donc une compression du nerf optique, une vue par la droite. Le nerf optique droit est ici, le nerf optique gauche est là, la carotide interne est ici, le dorsum scellé. Voilà, belles images opératoires. Alors, est-ce qu'il faut opérer les méningiomes tuberculeux de la selle? Bon, bien sûr, puisque quand on les découvre, en règle générale, c'est qu'ils ont provoqué des troubles visuels. Mais on le sait tous maintenant, dans notre pratique, on découvre parfois des méningiomes de façon fortuite. Parfois, le bilan ophtalmologique découvre une tumeur. On ne sait pas trop si c'est cette tumeur qui est responsable des signes ophtalmologiques, surtout quand on découvre cette tumeur à un âge avancé, ou c'est l'âge du glaucome, de la rétinopathie ou de la dégénérescence maculaire. Et j'avoue que je suis très embêté quand on découvre ces tumeurs de façon fortuite. Bon, si la tumeur est totalement asymptomatique, je pense que là, tout le monde sera d'accord, il ne faut pas opérer, parce que le malade, tout ce qui peut lui arriver après l'intervention, c'est d'être moins bien qu'avant. Si c'est fortuit, que le patient a aucune plainte et qu'on trouve un petit déficit visuel, l'indication opératoire, c'est plutôt oui, mais enfin, je dirais, il va bien falloir discuter avec le patient et bien comprendre quels sont ses désirs et être certain qu'il a bien compris les enjeux, parce que même s'il y a un petit déficit visuel qui débute et que le patient ne s'en est pas aperçu, si on l'a trouvé, nous, au bilan visuel, le fait de courir un risque de l'aggraver fait partie de l'information qu'il va falloir délivrer. Donc, si cette compression est asymptomatique, est-ce qu'il faut attendre que le patient devienne symptomatique? Est-ce qu'il faut avoir une documentation pour qu'il augmente de taille? J'avoue que c'est des questions que je me pose. Ce n'est pas rare qu'on tombe dans ce type de situation avec des gens qui n'ont quasi rien sur le plan visuel, un méningiome, parce qu'on sait qu'en les opérant quand même, on peut les aggraver, c'est 10% des cas. Et on préfère que ce soit la tumeur que le chirurgien qui les aggrave. Voilà un cas clinique qui est démonstratif de cette situation. Je vois cette patiente en avril 2012, elle a 65 ans, elle a une cataracte, un mélanome choroïdien, et je ne sais pas pourquoi on lui avait fait un bilan visuel, un bilan radiologique, et on lui trouve ce méningiome du tubercule. Elle, pour elle, depuis qu'elle a été opérée de sa cataracte, elle y voit bien, elle n'est pas gênée. Elle a une acuité visuelle d'un côté à 10 dixièmes, de l'autre à 8 dixièmes, un champ visuel normal, elle se plaint de rien. Elle vient voir le neurochirurgien parce qu'on lui a trouvé un méningiome. Bon, moi, je lui dis, écoutez, c'est embêtant de vous opérer. C'est vrai qu'il faudrait peut-être, mais enfin bon, j'avoue que je ne sais pas trop. Nous voilà un an et demi plus tard, donc en octobre 2013, elle a toujours une acuité visuelle à peu près la même. Je trouve que, et l'ophtalmo trouve aussi, que le champ visuel se dégrade un tout petit peu à droite. Mais alors vraiment, un micro-chouïa. Et moi, je dis, écoutez, ça évolue. De toute façon, ça évoluera. Il vaut mieux vous opérer. Au plus tôt vous opère, au mieux c'est. Donc, à l'époque, elle se plaint de rien. On l'opère. Et nous voilà 4 ans plus tard. Elle a une acuité visuelle qui est restée à 10 dixièmes d'un côté, à 8 dixièmes de l'autre. Mais à l'intervention, on était tombé sur une tumeur extrêmement
ferme qui était totalement incluse dans le chiasma et elle est sortie de l'intervention avec une hémianopsie bitemporale et maintenant elle est gênée. Donc, a posteriori, je me suis toujours posé la question de savoir si j'ai bien fait d'opérer cette patiente qui se plaignait de rien et qui, après mon geste, a commencé à se plaindre de quelque chose. Donc, voilà, toujours faire très attention avec les patients qui n'ont pas de plainte ou en tout cas sont très peu gênés et qui ont un méningiome dont on sait qu'à la sortie, on les opère pour éviter qu'ils s'aggravent ou en tout cas pour les améliorer, mais il y a certains cas où il va falloir faire très attention. Donc, l'indication opératoire, s'il y a un trouble visuel en rapport avec la compression et que le patient ressent une gêne, oui, il faut opérer. Dans toute autre situation, si le patient est asymptomatique, qu'il a 10 dixièmes, même s'il y a une compression radiologique, moi, je pense qu'il ne faut pas opérer et qu'il faut attendre parce qu'on n'a quand même aucun moyen de présumer des difficultés opératoires. C'est vrai que dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. On arrive à bien cliver le méningiome des voies optiques, mais il y a à peu près, ça c'est toutes les publics sont en rapport avec ça. Moi, j'avais constaté sur ma thèse en 92 et c'est encore actuellement le cas, ça ne change pas et ça ne changera pas. Il y a 10% des patients qui présentent un envahissement pial direct des voies optiques. Il n'y a pas de signe à l'IRM, ce n'est pas possible de le dépister avant, ce n'est pas corrélé au signe visuel. Et quand on essaye de désenclaver la tumeur des voies optiques, il y a de forts risques qu'on les aggrave. Donc, s'il y a quelqu'un que ça intéresse, il y a un travail de recherche à faire avec les IRM 3 Tesla, voire 7 Tesla, les séquences T2, les séquences 6, pour voir si on détecte des signes d'envahissement pial. Mais en tout cas, quand on tombe dessus et qu'on a la mauvaise surprise de tomber dessus, je pense, comme on en parlera tout à l'heure, peut-être faut-il prendre le parti de laisser un fragment de méningiome plutôt que d'essayer de désenclaver la tumeur dans les voies optiques. Alors, quand on a décidé d'opérer, est-ce qu'il faut opérer par voie haute? Est-ce qu'il faut opérer par voie basse? Si on opère par voie haute, quelle voie d'abord faut-il faire? Alors, on trouve de tout dans la littérature, bien sûr. En 2002, ça, c'était le papier de Falbush où on ne connaissait que la voie haute. Hein. À l'époque, c'était criminel d'opérer une tumeur. Ça doit faire sourire Mahmoud maintenant, mais à l'époque, c'était criminel d'opérer une tumeur supracellaire par voie basse. Dans les années 2014, là, l'équipe de Pittsburgh à UPMC a tout opéré quasiment par voie basse avec des tumeurs énormes. Bon, je veux dire, on connaît cette équipe. Ils ont un entraînement et une connaissance de la chirurgie endoscopique par voie endomonasale qui leur permet de pousser les limites. Mais là, je pense vraiment qu'on arrive aux limites. On va en rediscuter au cours de cette présentation. Et puis, il y a des publications comme le travail que j'ai cité tout à l'heure de McDermott à San Francisco qui avait fait un travail collégial académique pour essayer de cerner quelles pouvaient être les indications des voies basses, quelles pouvaient être les indications des voies hautes avec la classification que je vous ai citée. Alors, le pour la voie haute, c'est quoi? C'est que c'est un abord direct où on est en règle générale en mesure de réaliser une exérèse complète. Bon, il n'y a pas de fuite de LCR, sauf si on fraise de façon extensive la base, mais ça, il faut éviter de le faire, sauf si on a ouvert un sinus. Bon, enfin, les fuites de LCR post-opératoire, c'est 3-4% dans les voies hautes. On peut faire par voie haute, maintenant, avec les microscopes que l'on a, une dissection extra-arachnoïdienne qui est très fine, qui permet de préserver la vascularisation. On peut réaliser une exérèse satisfaisante dans pratiquement toutes les configurations de méningiome supracellaire. Le contre, c'est que, qu'on le veuille ou non, il y a 10 à 30% d'anosmie. Il y a une rétraction cérébrale que certains patients peuvent ne pas tolérer, même si dans l'immense majorité des cas, comme ce sont des tumeurs que l'on diagnostique en deuxième moitié de vie, et qu'en ouvrant les citernes, on obtient une bonne déplétion cérébrale. Les patients souffrent peu de la rétraction cérébrale, mais cette rétraction cérébrale, elle entraîne un collapsus du lobe frontal, et ce collapsus du lobe frontal, il peut se traduire par une avulsion d'une bandelette olfactive d'un côté, une traction de la bandelette olfactive de l'autre côté, et arriver à un trouble de l'odorat, au maximum une anosmie, donc je veux dire, c'est un élément à prendre en compte. Et puis, ça apparaît plus traumatisant pour le patient et pour l'entourage, et même c'est plus traumatisant puisqu'on ouvre la boîte crânienne, avec un risque d'infarcissement veineux, d'épilepsie, de méningite, mais bon, je veux dire, ça fait partie des risques de la neurochirurgie. Alors, par voie basse, ça paraît moins traumatisant. Les défenseurs de la voie basse disent qu'on aborde par l'insertion.
Très honnêtement, aborder un méningiome par l'insertion, ça a l'avantage de le dévasculariser. Je veux dire, avec les méningiomes du tubercule de la selle, on a peu de problèmes hémorragiques. Surtout le fait de le désinsérer quand on opère par voie haute, ça permet de le mobiliser surtout. Mais la vascularisation, c'est pas le problème des méningiomes supracellaires. Donc, les défenseurs disent qu'ils abordent par l'insertion et que c'est mieux. J'ai du mal à être convaincu. Pas de manipulation des voies optiques, parce que comme bon, ceux qui la pratiquent savent que la résection de tumeurs par voie transsphénoïdale, c'est une résection qui se fait par traction, par micro-traction. Ça se passe très bien tant qu'il y a un plan arachnoïdien, même très virtuel, mais quand il n'y a plus de plan arachnoïdien et qu'il y a un envahissement pilial, que ce soit par voie basse ou que ce soit par voie haute, on va avoir des problèmes. Donc, je veux dire, je pense que ce n'est pas un argument non plus. Ça, il n'y a pas d'anosmie par voie basse, puisque je veux dire, il n'y a pas de traction sur les voies olfactives. Ça, c'est théorique, parce qu'il n'y a peut-être pas d'anosmie, mais les voies basses étendues ont souvent besoin de... En tout cas, moi, j'essaie d'en faire le moins possible d'un lambonasoceptal. Le lambonasoceptal, ça consiste à réaliser un grand décollement muqueux sous-périchondral au niveau des fosses nasales. Et en tout cas, moi, pour en avoir pratiqué beaucoup, la plupart des patients ont des rhinites croûteuses qui gardent plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des troubles de l'odorat qui sont des cacosmies et une production de croûte qui est parfois exubérante, qui les gêne autant que s'ils ne sentaient rien. Donc, pour moi non plus, ça, c'est pas un argument. Mais je pense que l'argument principal, c'est le risque de fuite de LCR, le risque de méningite post-opératoire, qui est quand même bien plus important qu'il ne l'est que par voie. Donc, le débat est ouvert. Moi, j'ai déjà mon idée là-dessus. Et la voie basse, pour moi, elle doit être réservée aux patients pour lesquels l'exérèse par voie haute pourrait être compliquée du fait de la conformation de la gouttière optique. Comme dans ce cas-là, il y a certains patients, c'est pas rare, hein, ça arrive, qui ont des gouttières optiques très verticales, avec des méningiomes qui s'insèrent sur la portion verticale, et pour lesquels l'insertion va être très difficile d'accès par voie haute. Pour accéder à cette insertion, il va falloir soit tracter sur le lobe frontal, soit passer de façon assez latérale par voie ptérionale et en passant de façon très latérale pour contrôler l'insertion, forcément entrer en conflit avec le nerf optique homolatéral à la voie d'abord. Donc, je trouve que si l'insertion est purement interoptique et que ça ne déborde pas latéralement, opérer ces patients par voie transsphénoïdale, comme on l'a fait dans ce cas, avec une image préopératoire à gauche et postopératoire à droite, ça peut être une option. Mais pour tout dire, dans le service, on a opéré maintenant plus d'une centaine de méningiomes supracellaires à l'ère moderne, et on n'en a opéré que 4 par voie basse, c'était des patients qui avaient ce type de configuration. Donc après, si on décide d'opérer par voie de craniotomie, alors là, toutes les voies d'abord ont été décrites. Est-ce que c'est la voie frontoptérionale la plus classique, la voie mini-ptérionale, la frontolatérale, la sous-frontale, la frontale interhémisphérique? Est-ce qu'il faut faire une dépose? Alors, moi, je pense qu'il faut faire la voie d'abord dont on a l'habitude, surtout, pour opérer tel type de tumeur et pas chercher à changer à chaque fois. Je vais m'arrêter 2 minutes sur la dépose. Ça, Saïd, tu reconnaîtras l'aphorisme de notre patron commun qui a été François Grisoli. Il disait, il faut rétracter l'os et pas le cerveau. Et la dépose orbitaire, c'est fait pour rétracter l'os et pour enlever de l'os pour éviter de tracter sur le cerveau. Mais enfin, bon, en termes de méningiome supracellaire, on n'est pas tellement gêné par le cerveau, je dois dire. C'est la dépose orbitaire, c'est intéressant quand on doit monter, c'est-à-dire quand on doit gagner en degrés sur la base pour aller éviter de tracter sur le cerveau pour enlever le dôme de la tumeur. Mais quand on a des... Alors là, ça peut être intéressant, comme on l'a fait dans ce cas-là, de réaliser une dépose, surtout si le patient est jeune, comme ça, on a malgré l'ouverture cisternale, on est quand même obligé de soulever un peu le lobe frontal pour pouvoir aller chercher le dôme tumoral et le disséquer finement. Mais dans l'immense majorité des cas, ce sont des tumeurs qui n'ont pas d'expansion vers le haut qui soit menaçante. Et je pense que ça ne justifie pas une dépose. Donc, dans un cas comme à gauche, je suis d'accord pour une dépose. Dans un cas comme à droite, l'ouverture des citernes et l'ouverture de la vallée sylvienne doit suffire à pouvoir contrôler le dôme tumoral. Ensuite, quid des petits volets. J'en ai eu fait pendant pas mal de temps et je trouve que ce n'est pas génial. Pourquoi? Parce que le méningiome supracellaire,
le méningiome interoptique à son insertion qui est souvent latérale, enfin souvent paramédiane, proche de la face interne du nerf optique le plus comprimé. Et pour pouvoir bien contrôler l'insertion et bien coaguler l'insertion et bien réaliser une exérèse satisfaisante en touchant le moins possible le nerf optique, il faut avoir la possibilité de tourner autour de la tumeur, ou en tout cas d'avoir un angle de rotation qui permette de tout contrôler, et par des petits volets, eh ben, on n'y arrive pas. Alors, il m'arrive de faire des petits volets, soit fronto-orbitaires, soit supra-orbitaires, comme on le fait là, pour enlever des toutes petites tumeurs où je sais que je n'ai besoin que d'un axe, ça donne des résultats cosmétiques assez satisfaisants, et puis surtout, ça va, c'est assez rapide, les malades sortent assez vite de l'hôpital, mais je pense qu'il faut réserver ce type de volets à des configurations qui soient particulières, et il ne faut pas en faire une règle. Alors, c'est certain qu'avec le matériel que l'on a, avec l'apport des endoscopes qui peuvent nous aider en intraopératoire, avec des instruments courbes, on peut réaliser des exploits chirurgicaux, même retirer des gros méningiomes de l'étage antérieur ou de l'étage moyen, enfin de interoptique, par des voies de eyelid ou eyebrow. Mais on risque d'avoir besoin de tracter sur les voies optiques, ce qui n'est pas le but. On risque de laisser des fragments de tumeur, ce qui risque d'amener à une récidive. Alors autant il y a 30 ans, quand on laissait un bout de tumeur, on mettait très longtemps à s'y apercevoir parce qu'on ne faisait pas d'IRM larga manu dans le suivi. Maintenant, le malade revient vous voir régulièrement avec une IRM et le moindre petit grain de méningiome qui va se mettre à repousser, vous allez le voir, ça va inquiéter tout le monde, même s'il ne posera pas de problème avant 10 ou 12 ans. Mais je veux dire, je trouve qu'on ne gagne pas grand-chose à faire des petits trucs comme ça, et on s'ouvre la porte aux complications ou en tout cas aux problèmes à venir. Donc, je le réserve à des toutes petites tumeurs qui nécessitent des interventions que je qualifierais presque de commando. On ouvre, on va chercher le petit bout et on s'en va. Alors, voilà un exemple de petits volets fronto-orbitaires. On a fait une dépose avant l'ouverture des citernes, après l'ouverture des citernes. Et ici, avec un bon microscope, ben on y voit, on contrôle la tumeur. Là, c'était intéressant. On est par la gauche, on voit la face interne du nerf optique droit qui est refoulé en dehors, et on a réussi à enlever la petite tumeur qui filait dans l'orifice endocrânien du canal optique. Donc, un exemple là de gouttière optique profonde, ça peut être un problème, ces gouttières optiques profondes, parce que pour pouvoir bien enlever le méningiome, c'est bien de pouvoir petit à petit contrôler l'insertion, ce qui permet à un moment de le mobiliser. Et quand on va devoir aborder toute la gouttière et bien coaguler l'insertion et faire en sorte qu'on n'a laissé aucun fragment, plus l'insertion est verticale, plus il va falloir obliquer sous le lobe frontal et tracter sur le lobe frontal. Autre question, par quel côté aborder ? Est-ce qu'il faut dire « je passe toujours par la droite » ou bien « je passe toujours par le côté le plus grave » parce que comme ça, au moins, si je touche le nerf optique, j'aggrave un côté qui est déjà grave et je ne préserve pas. Bon, ça, c'était dans les années 90, on disait il y a certains auteurs, et notamment mon patron, qui recommandait de passer par le côté le plus grave. Je ne pense pas que ce soit… ce que je recommanderais actuellement, c'est vrai que la plupart des tumeurs sont asymétriques, on l'a déjà dit, l'atteinte visuelle est asymétrique, elle est même purement unilatérale, plus d'une fois sur deux. Alors, voilà un exemple de patient qui avait une baisse d'acuité visuelle sévère de l'œil gauche, une vision normale à droite. On est passé par la droite. C'est vrai que quand on voit la conformation des voies optiques, on voit ici le nerf optique gauche qui est totalement encorbeillé, le nerf optique droit qui n'est pratiquement pas comprimé par la tumeur, et quand on regarde l'axe que l'on peut prendre en supraorbitaire, on arrive droit sur la tumeur, on va pouvoir contrôler, comme on le voit ici en péropératoire, la face interne de la tumeur sans avoir à manipuler les voies optiques. Et donc le fait d'opérer par voie contralatérale, et c'est souvent qu'on est dans cette configuration de compression très asymétrique, la patiente a très vite retrouvé 10 dixièmes, mais elle s'est retrouvée anosme en post-opératoire. Ça, on va en reparler. Sur le plan de la technique chirurgicale, alors comment disséquer, comment séparer, comment enlever, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur une plateforme de neurochirurgie Internet une démonstration de neurochirurgie par voie haute. J'avais malheureusement pas la possibilité d'extraire cette vidéo pour vous la montrer. Je trouve qu'ils ont montré tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire disséquer les voies optiques comme
on dissèque une cilienne ou une carotide, je veux dire, le nerf optique, ça vous le savez, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler que ce n'est pas un nerf, c'est du cerveau, c'est une expansion diencéphalique. Le nerf optique, il ne faut pas le toucher et il faut éviter de toucher sa vascularisation. Donc, tout ce qui est dissection du nerf optique, manipulation du nerf optique, il faut absolument éviter. Et là, dans cette vidéo, vous voyez, il passait dessus, dessous, il mettait des coups de suceur. Enfin, je veux dire, je vois pas comment le patient peut y voir correctement après de tels gestes chirurgicaux. Donc, il faut essayer de ne pas toucher, de ne pas manipuler, de ne pas comprimer les voies optiques en poussant la tumeur, en glissant des cotons entre la tumeur et le nerf optique, comme on peut le faire quand on enlève un méningiome intracrânien qui est au contact du parenchyme cérébral. Il faut éviter de faire ça. Ensuite, on nous a bassiné pendant des années, il faut contrôler l'insertion, comme ça, ça ne saigne plus. C'est des petites tumeurs. Ça peut saigner, alors sous microscope opératoire, quand on est peu expérimenté, on a l'impression que c'est une hémorragie très importante. En fait, ça ne saigne pas beaucoup. Même si ça saigne beaucoup, ça ne saigne pas beaucoup longtemps et ça ne compromet pas le taux d'hémoglobine du patient. Donc, il ne faut pas se concentrer là-dessus. Ce qui est important, c'est d'éviter de manipuler les voies optiques. On va détailler ça plus tard. Alors, la technique, comme toujours, c'est installer, mais ça, on installe de la voie ptérionale, tout le monde sait l'installer. Il faut exposer, bien ouvrir les citernes, pas se précipiter sur la tumeur, bien ouvrir les citernes pour minimiser tout ce qui peut être rétraction cérébrale. Et il faut commencer par attaquer le méningiome au niveau de l'insertion, mais pas en faire un leitmotiv. Il faut essayer de travailler sur l'insertion pour commencer à le débulquer à ce niveau-là et pour finir à essayer de le mobiliser. On tracte petit à petit sur la tumeur pour tendre l'interface avec le nerf optique. On essaye de travailler en extra-arachnoïdien et de progresser en essayant de ne pas toucher le nerf optique. Voilà donc un exemple. Le nerf optique gauche, le ligament falciforme, le méningiome. Et on peut tout à fait, voyez, quand on aborde le méningiome, on voit ça. On voit l'arachnoïde. Et alors, on a tendance à vouloir passer par là puisqu'on voit que le méningiome se décolle du nerf optique. Non, il faut prendre l'arachnoïde, on va voir ça sur des photos tout à l'heure, la refouler en arrière ici pour décoiffer le méningiome. Et à ce moment-là, on sait qu'on est purement intra-arachnoïde et extra-arachnoïdien. Voilà un exemple, là on est à gauche, on mobilise le méningiome en essayant de le pousser un petit peu à distance du nerf optique pour faire tendre tous ces petits vaisseaux arachnoïdiens pour ne pas passer à l'intérieur de l'arachnoïde, là, entre les vaisseaux qui sont dans l'arachnoïde et le nerf optique, là, on risque de faire des dégâts. Ici, on risque rien. Un autre exemple, ça, c'est une patiente, les images sont belles parce que c'était un microscope qu'on avait à laisser pour l'acheter, donc j'en ai profité pour faire un joli film et des jolies photos. On est par la droite, ici, c'est le nerf optique droit. Le ménager, on voit très bien l'insertion qui déborde un peu sur le limbus sphénoïdal. On aurait tendance à vouloir passer là. On voit qu'il y a un petit espace entre le méningiome et le nerf optique. Non, ce n'est pas là qu'il faut passer. C'est ici. Il faut refouler l'arachnoïde. Et quand on refoule l'arachnoïde, voilà ce qui se passe. On voit le méningiome à sa surface. Après, on peut l'attaquer ici par son insertion. En le débulquant, on va ramener la tumeur et essayer de la désinsérer et de la mettre à distance du nerf optique sans toucher le nerf optique. Voilà une étape ultérieure de l'intervention. On voit ici l'arachnoïde. Donc, en prenant la tumeur d'un côté, en utilisant la technique, soit avec le suceur, soit avec la bipolaire, soit comme l'a montré Majid Sami avec les deux bipolaires, deux pinces à disséquer, tracter la tumeur dans un sens et refouler l'arachnoïde avec les vaisseaux dans l'autre, tout ça pour essayer de bien libérer la tumeur. Là, on est à un stade ultérieur, le nerf optique droit est ici, la tumeur est là, et on voit qu'en la mobilisant comme ça, on arrive à la décoller du nerf optique gauche qui est ici un peu flou parce qu'on n'était pas dans la même profondeur de champ. Et ici, à un moment ultérieur, on voit très bien qu'on a pu désenclaver la tumeur, tout ça en travaillant en intratumoral. Alors, quand on fait ça, il faut bien entendu faire très attention à repenser l'anatomie en fonction de la rotation de la tête parce qu'il y a des pièges. Quand on va travailler comme ça en interoptique, en oblique, venir sur le méningiome et sur l'insertion du méningiome, ben, on se retrouve ici, on est donc par la gauche, le nerf optique droit qui était comprimé, qu'on a décomprimé ici en le décollant au niveau de la face interne, le nerf optique gauche, ici l'insertion du méningiome, la carotide, en tournant la tête, la carotide contralatérale va descendre, homolatérale va monter, et le nerf optique contralatéral va descendre, le nerf optique homolatéral va monter, et la carotide,
qui se retrouvent théoriquement très vite en dehors du nerf optique, se retrouvant dedans, d'autant plus que le nerf optique a été poussé en dehors par la tumeur, et quand on enlève la tumeur, on se retrouve avec la carotide très en dedans du nerf optique, et on peut très très bien, lors d'une fausse manœuvre, aller la blesser avec la bipolaire ou avec les micro-ciseaux. Donc il faut faire très attention de savoir que la carotide est là, et juste au-dessus, vers le canal optique, se trouve l'artère ophtalmique. Donc attention à ça, il y a un piège, il faut aller tout doucement à ce niveau-là. Autre question qu'on peut se poser, l'ostéome d'insertion. Alors, il n'y a pas souvent d'ostéome d'insertion au niveau du méningiome du tubercule, mais de temps en temps, il y en a. Alors, cet ostéome, il faut l'enlever, enfin, il faut essayer de ne pas l'enlever, mais parce qu'il n'y a pas plus de récidive quand on l'enlève, quand on ne l'enlève pas, mais surtout, il va vous gêner pour enlever le méningiome. Et si on n'enlève pas l'ostéome, on voit ici en l'image préopératoire IRM sur les images du haut, le scanner sur les images du bas, on voit tout ça, c'est de l'ostéome, et voilà l'image intraopératoire. Si on n'enlève pas, on arrive par un côté, si on n'enlève pas l'ostéome, cet ostéome va nous masquer la partie contralatérale du méningiome, on va être obligé de travailler à l'aveugle et on va se retrouver à faire des gestes aveugles, ce qui n'est pas bon. Donc il faut, avec une fraise diamantée bien sûr, fraiser cet ostéome en évitant bien entendu de pénétrer dans le sinus sphénoïdal, mais avec une fraise diamantée et bien irriguée, on fait la différence entre la consistance de l'ostéome et dès qu'on arrive sur l'os cortical de la base. Donc je veux dire, il y a peu de risques si on fait attention. Et il vaut mieux le faire en début de résection quand on a un peu débulqué la tumeur et non pas quand on a déjà enlevé toute la tumeur, parce que comme ça, le méningiome qui a tout autour de l'ostéome vous protège des voies optiques et de la carotide. Donc, je veux dire, c'est mieux de le faire parce que ce n'est pas tellement en termes de récidive tumorale, c'est surtout en termes de contrôle de la portion de méningiome en contrôle latéral que c'est important à faire pour pouvoir faire une résection complète. Alors, quid de la clinoïdectomie? Alors, la clinoïdectomie extradurale, telle qu'elle a été primitivement décrite par Dolinck et puis reprise plusieurs années après par Diaz Day ou par j'ai oublié le nom, une publication Princeps qui est sortie dans Operative Neurosurgery, qui décrit toutes les étapes de la technique. Moi, je trouve que la clinoïdectomie extradurale, c'est incontournable pour les méningiomes de la clinoïde antérieure. C'est même ce qu'il faut faire. On perd une heure à la faire parce que c'est quand même... c'est fastidieux, mais une fois qu'on a fait sa clinoïdectomie extradurale, pour les méningiomes de la clinoïde, je parle, qu'on ouvre le canal optique, on a la tumeur, on a le nerf optique qui est très en dedans, ça permet de découvrir la carotide, d'ouvrir le distal dural ring, et vraiment, on fait un travail qui est beaucoup, beaucoup plus propre. On arrive à trouver très rapidement le plan avec la carotide. Donc, je vais dire, incontournable pour les méningiomes de la clinoïde. Pour les méningiomes interoptiques, je trouve que c'est inadapté et c'est dangereux. Pourquoi c'est inadapté? Ben parce qu'on n'a pas besoin d'enlever la clinoïde pour enlever la portion qui est au niveau de la partie proximale de l'orifice endocrânien du canal optique. Et deuxièmement, aussi quand on fraise une clinoïde par voie extradurale dans un méningiome de la clinoïde antérieure, dans le canal optique, entre la clinoïde et le nerf optique, il y a du méningiome qui nous protège de du nerf optique. Tandis que quand on arrive ici dans un méningiome de la clinoïde, interoptique, et qu'on va fraiser la clinoïde, on va se retrouver directement à fraiser derrière la dure-mère, il y a le nerf optique. Et on est à risque d'abîmer le nerf optique. Donc, je veux dire, faire ça, moi, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de justification. Dans quelques rares cas de méningiome clinoïdo-interoptique, peut-être y aurait-il indication à le faire, mais enfin, pour l'instant, je n'en ai pas rencontré. Il ne faut pas en faire une règle. Alors après, quid du fraisage du toit du canal optique? Alors, la clinoïdectomie, vous avez compris que je n'étais vraiment pas pour. Par contre, le fraisage du toit du canal optique, alors, il y en a qui l'ont recommandé dans ce papier de Neurosurgery pour libérer le nerf optique précocement. Moi, je trouve que ce n'est pas la peine de faire ça, puisque le fait de débulquer le méningiome et de tracter un petit peu sur la partie du méningiome qui va au contact de la face interne du nerf optique et qui pénètre au niveau de l'orifice endocrânien du canal optique, on peut le retirer précocement et commencer à libérer le nerf optique. Par contre, parfois, on ne sait pas, même par une voie contralatérale ou quand on utilise des voies homolatérales, si on a enlevé toute la tumeur qui est dans le canal optique, et à ce moment-là, fraiser le toit du canal optique avec une fraise diamantée, en faisant très attention, en irriguant bien,
ça peut permettre d'ouvrir sur 2-3 mm la portion endocrânienne du canal optique et d'aller aspirer un fragment de tumeur qu'on aurait laissé. Donc voilà, la clinoïdectomie, je ne suis pas pour. Le fraisage du toit du canal optique, il ne faut pas en faire une règle, mais ça peut servir, donc c'est une technique à maîtriser. Ensuite, est-ce qu'il faut opérer par voie homolatérale? On a vu que ces tumeurs sont très asymétriques, en fait, au niveau de leur conflit avec les voies optiques, et que le fait d'opérer par le côté où le nerf optique est le moins atteint, où le nerf optique est sain, ça permet d'aller contrôler, sans avoir à le manipuler, la tumeur contre le nerf optique le plus atteint. Donc, je veux dire, comme c'est un sujet qui me tarabuste depuis plusieurs années, on avait en fait un modèle tout trouvé, puisque les patients, il y en a certains qui disent qu'il faut les opérer par le côté le plus grave, d'autres par le côté le plus sain. Et moi, pendant des années, en fait, j'ai opéré par la droite parce qu'un droitier est plus à l'aise pour opérer par la droite que par la gauche, puisque la bipolaire, c'est-à-dire la main opératrice, va rentrer le long de la crête sphénoïdale ou le long des crêtes orbitaires, selon qu'on utilise une voie ptérionale ou frontolatérale, alors que la main gauche qui tient le suceur, elle, va passer sous le lobe frontal. Alors que quand on opère à gauche et qu'on est droitier, la bipolaire passe sous le lobe frontal. Donc moi, je dis, j'opère toujours par la droite. Et donc, comme il y a autant de compression droite que de compression gauche, je me suis retrouvé à opérer soit par voie homolatérale, soit par voie contralatérale, et je me suis aperçu que quand on opérait par la droite un patient qui avait surtout une compression gauche, on était beaucoup plus à l'aise pour enlever ce fragment contre le nerf optique le plus atteint que quand on était par voie homolatérale. Donc, je me suis mis à réfléchir et je me suis retrouvé avec une série de patients où la moitié avait été opérée par voie homolatérale et l'autre moitié par voie contralatérale. Donc, comme ces patients sont dans une base de données, on a mis absolument toutes leurs data cliniques, radiologiques et visuelles. On s'est retrouvé avec une série de 94 patients. On a pu comparer deux groupes homogènes qu'on avait opérés soit par voie homolatérale, soit par voie contralatérale au nerf le plus atteint. Et qu'est-ce que ça a donné? Ben, les résultats qu'on attendait. C'est-à-dire que par voie contralatérale, ça n'a pas été significatif, mais il y a une tendance, le P est à 0,08. On a une tendance à avoir un meilleur résultat visuel par voie contralatérale que par voie homolatérale. Là où c'est significatif, c'est qu'en termes de qualité de la résection, on est plus efficace par voie contralatérale que par voie homolatérale. Le revers de la médaille, c'est que quand on opère par voie contralatérale, le chemin pour aller jusqu'au nerf optique contralatéral est un peu plus long. Le collapsus cérébral était un peu plus important et on a plus d'anosmie, plus de troubles de l'olfaction quand on fait une voie contralatérale que quand on fait une voie homolatérale. Cette voie, il y a déjà 3 ou 4 papiers qui sont sortis. Il y a nos collègues de Bordeaux, Julien Engelhardt, qui a écrit un papier, lui, sur 20 malades, où ils ont les mêmes constatations que nous. Ils sont plus à l'aise pour opérer les patients. Le résultat visuel semble un peu meilleur en termes de contrôle tumoral à distance, c'est mieux, et ils ont 10% d'anosmie. Mais je sais, alors s'ils ne l'ont pas écrit dans le papier, qu'ils ont une technique pour disséquer la bandelette olfactive qui consiste à libérer la bandelette olfactive pour pas qu'elle soit tractée par le lobe frontal. C'est vrai que je l'ai fait 2 ou 3 fois. Ça, je ne suis pas encore convaincu parce que c'est très délicat à faire, mais ça peut être une technique à rajouter pour circonvenir au risque de déficit olfactif en post-opératoire. On revient sur la voie basse. Alors, la voie basse, c'est le risque de fuite de LCR, de méningite. Si on fait un lombo-nasoceptal, il y a un risque de rhinite croûteuse et qui va compromettre l'odorat. La totalité de la résection, je trouve que par voie basse, on a quand même du mal à aller latéralement sur les canaux optiques. On peut le faire, mais dans ce cas-là, faire une voie un peu élargie, on n'est plus dans une voie classique. Je pense qu'il faut réserver ça à la gouttière optique très verticale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et à certaines récidives de méningiome avec des expansions supracellaires, des résidus au niveau de la gouttière optique qu'on peut aller pêcher par voie transsphénoïdale, parce que là, ces patients-là, les radiothérapeutes rechignent quand même à les traiter quand il y a des fragments de méningiome au contact des voies optiques. Donc, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas débordé. Conclusion, ces méningiomes supracellaires, c'est 3% des méningiomes. C'est souvent maintenant, en tout cas, découvert au stade de déficit unilatéral. 85% des tumeurs sont à développement asymétrique. Les voies visuelles sont des voies qui sont très fragiles. Il faut les respecter et les libérer. C'est le but principal de la chirurgie. Dans 10% des cas, vous allez être confronté à un envahissement pial. Et ça, c'est imprévisible. Ça ne se voit pas sur l'IRM.
Dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, c'est de laisser de la tumeur au contact de des voies optiques. Il ne faut quand même pas oublier que ce sont des tumeurs qui s'insèrent, qui sont vascularisées par leur insertion. Quand on les a désinsérées et qu'il reste un petit moignon de tumeur, alors je n'ai pas détaillé parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler, j'ai 3 patients à qui j'ai fait ça, que je suis, et pour l'instant, les moignons ne bougent pas. Ça bouge si on en laisse sur l'insertion, mais si on arrive à traiter l'insertion et qu'il reste un bout de tumeur contre un nerf optique, normalement, ça ne doit pas bouger. L'abord contralatéral, alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je trouve que ça permet une meilleure résection et un meilleur résultat visuel. Par contre, ça génère plus de troubles de la olfaction. Donc, il y a une technique à développer pour essayer de préserver la bandette olfactive. Et la voix basse, bah, moi, je n'en fais pas une règle. Je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser la voix basse. Je sais que c'est dans les centres où ils sont très voix basse. Alors, peut-être qu'il y a un problème d'éclectisme et de maîtrise de la voix haute. Mais je trouve que ça doit être réservé à certaines indications, notamment les gouttières optiques très verticales ou bien certaines récidives. Voilà, j'en ai terminé. Saïd et John, merci pour votre écoute. Et je suis ouvert aux questions, s'il y en a. Merci Henri pour cette excellente présentation, comme d'habitude. Est-ce qu'on peut passer au mode normal? Voilà. Henri, bravo donc pour cette présentation c'est vraiment didactique. J'ai quelques questions. D'abord, il y a ce problème de l'olfaction. Oui. Moi, je me pose la question parce oui, pardon. Que. Je me pose la question donc sur le problème de l'olfaction. Est-ce qu'elle n'est pas due aussi au geste, même si on va dire, ne parlons pas donc de l'écartement avec l'écarteur, mais le geste, parfois on appelle ça l'écartement dynamique, parfois donc il n'est pas si anodin que ça. Je pense qu'il contribue à des lésions des stries olfactives et surtout quand on arrive sous vraiment l'espace perforé antérieur, c'est là où donc la partie vraiment latérale où on est obligé d'écarter un tout petit peu ce cerveau, donc lobe frontal, pour manipuler. Et quand on opère, finalement, on ne fait pas attention à cette région. Moi, je me suis intéressé aussi beaucoup à l'olfaction. Je pose la question aux patients avant, après, et j'ai eu effectivement quelques problèmes donc de perte de l'olfaction. Quand je revois a posteriori, il y a quand même des gestes qui sont qu'on minimise, on dit la rétraction dynamique, mais c'est pour des tractus aussi fins, c'est agressif. Je suis d'accord avec toi. Je me demande si une rétraction statique avec un petit écarteur, c'est pas moins dangereux. Parce que quelquefois, on se met à faire des gestes où on tracte, on détracte, on tracte, on détracte, et puis à un moment. Donc c'est pour ça que je fais très attention. Mais j'avoue que mon petit corps, avec l'âge qui avance, a du mal à suivre, à faire très attention à être le plus possible à utiliser l'axe ptérional de la voie ptérionale, c'est-à-dire à arriver par le côté et pas. On a tendance à vouloir aller le long des crêtes orbitaires naturellement parce qu'on est dans l'axe du méningiome. Mais notamment quand on va de l'autre côté pour aller sur la gouttière optique, sur l'orifice endocrânien du canal optique de l'autre côté, alors il faut faire attention à ne pas, avec la bipolaire ou le suceur, appuyer sur le nerf optique au bon latéral. Hein. Mais c'est pour ça que j'essaye au maximum. Mais pour moi, philosophiquement, ça pose un problème. On opère les patients parce qu'ils ont un déficit sensoriel. Et heureusement, dans la plupart des cas, on arrive à on les améliore, soit en tout cas, on les stabilise, mais on leur colle un autre problème sensoriel. Donc pour moi, c'est un vrai problème, ça, l'olfaction. Je ne l'ai pas encore résolu. Alors, comme je le disais, les gens de Bordeaux, mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais c'est vachement délicat. Enfin, tu le sais comme moi, ces bandelettes olfactives, elles sont extrêmement fragiles. Ils,
il dissèque la bandelette olfactive pour, au lieu qu'elle suive le lobe frontal, elle reste pendante un petit peu. Comme ça, ça tracte moins. Je sais que Sébastien Frelich, lui, il injecte de la colle au début de l'intervention. Il injecte du tissu colle dans la gouttière olfactive, la part dessous, pour que ça tienne. J'ai essayé, les rares fois où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Oui, il faudra lui poser la question des résultats. Est-ce qu'il y a quand même des anosmies? Auquel cas, ça serait vraiment l'attraction qui contribue à... Il y a des fois où, quand on ouvre, on a le nerf olfactif qui barre la route, qui prolapse. Et effectivement, on peut penser qu'il y a l'attraction, donc ce tractus qui tire sur les stries. Ouais, ouais. Mais attention, si tu fait... l'as. Tu... Oui, pardon. Je dirais, l'anosmie, quand tu discutes avec des gens dont ce n'est pas la principale occupation, les tumeurs supracellulaires, ils te disent qu'ils n'en ont pas des anosmies. Il faut demander aux malades. Hein. Il y a des malades qui ne s'en plaignent pas. Hein. Oui, donc il faut faire un examen. Il faut leur demander. Demander avant et après. Oui, avant et après. Et je les préviens moi tous. Hein, je leur dis, les deux risques principaux, c'est l'aggravation visuelle et l'apparition de troubles, soit une hyposmie, soit une anosmie en post-op. Et quand on cherche, on n'a pas tous, mais on a pas mal de malades qui ont des troubles de l'olfaction en post-op. D'autre part, donc je voulais, Mahmoud n'est pas là. Mais je voulais vous rassurer qu'il a abandonné la voie endonasale complètement. Non, je suis là. Ah, il est là, il est dans l'avion. Super. Tu es en business class, tu peux parler, Mahmoud, ou tu ne peux pas parler? Je peux parler très rapidement avant que ça décolle. Donc, alors, dis-moi. Excellente overview. J'ai adoré le sujet. De toute façon, je suis assez passionné par le sujet. Ce que je retiens, c'est que c'est une localisation rare si on doit considérer que les méningiomes du tubercule isolés. Parce que quand il s'agit de gros méningiomes, il y a de l'extension aussi vers le tubercule. Et puis finalement, c'est les deux dernières heures d'une chirurgie de 8 heures qui va être la partie la plus intéressante et la plus difficile quand on parle des gros méningiomes. Ce que je retiens aussi, c'est que dans les mains les plus expertes des endoscopistes, finalement, ils préfèrent la voie transcrânienne. Et je te rejoins complètement. Donc, ceux qui maîtrisent les deux techniques, la technique endoscopique et la technique transcrânienne, finalement, il y a eu cette grande mode de voie endoscopique des débuts des années 2000. Puis finalement, actuellement, les grands experts de l'endoscopie, ils vont par voie transcrânienne. Et je te rejoins complètement sur ça. La troisième petite remarque, c'est par rapport au côté ipsilatéral, contralatéral. Donc là, quand on a une atteinte, c'est vrai, l'ancienne école, elle dit qu'il faut aller du côté le plus atteint. Mais finalement, non, parce qu'on a une meilleure vision. C'est comme une cervicale, finalement. Moi, une chirurgie cervicale, je préfère le côté contralatéral. Et puis surtout, on peut contrôler la vascularisation et l'artère ophtalmique. Souvent, l'artère ophtalmique, elle part du côté latéral, mais dans à peu près 10% des cas, elle vient du côté médian. Quand on l'aborde du côté contralatéral, s'il y a un petit bourgeon qui reste sous le nerf optique, on a une meilleure visualisation du côté contralatéral. Donc, souvent, je choisis le côté contralatéral. Et puis, là où j'ai envie de te poser cette question, quand on a ce qu'on appelle les pneumosinus dilatans, quand on a une pneumatisation plus importante, c'est assez rare, mais quand il s'agit de méningiome, des fois, on a à peu près dans 10 à 15% des cas des pneumosinus très dilatés qui remontent vers l'avant. Est-ce que dans ces conditions-là, une voie transphénoïdale n'est pas peut-être indiquée? Parce que le fait d'ouvrir le sinus par le haut, ça revient au même au final, de passer par le bas. Oui, alors c'est vrai, mais les pneumosinus dilatants,
tu les as dans les méningiomes que je qualifierais de jugo-tuberculaires. Exactement. C'est-à-dire que le méningiome, le pneumocinus dilatans, il est sur le jugome. Ceux-là, j'aurais tendance à les prendre par voie haute aussi. Et pas par voie basse, parce que ce ne sont pas des tubercules, ça, ce sont des jugo-tuberculaires, c'est-à-dire qu'ils combinent les deux difficultés, ils sont en règle générale plus gros. Et le pneumocinus dilatans, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler quand j'avais fait ma thèse, parce que je pense que le pneumocinus dilatans, il est aussi la conséquence d'une durée d'évolution plus longue. Et actuellement, j'ai pas encore eu le temps de le faire, il faut que je fasse la mesure. Simplement comparer la nouvelle série qu'on a sortie, 94 malades, et la série qu'il y avait dans ma thèse, 100 malades, qui étaient en fait des malades publiés en 92, donc des malades qui remontaient aux 20 ans, donc remontaient aux années 70. Il faut que je vois si j'ai les mesures, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y avait beaucoup de patients avec des baisses d'acuité visuelle bilatérales, alors que maintenant, c'est quasiment des malades avec une atteinte unilatérale. Donc, les tumeurs, elles évoluent moins longtemps, et les pneumocinus dilatans, on a moins de chances de les apercevoir. Mais c'est particulier, le pneumocinus dilatans, c'est surtout le jugo tuberculaire ou le jugome. Mais je ne sais pas, moi, nous, on en a vu beaucoup à une époque, et là, on en voit peu. J'en vois pratiquement plus. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on voit pas mal de jugomes et de gouttières olfactives, mais j'en vois plus. Mais c'est vrai que un gros pneumocinus dilatans, pourquoi ne pas le prendre par le bas s'il n'y a que ça et que c'est un petit méningiome du tubercule, pourquoi pas, effectivement, si le sinus est énorme, pourquoi pas. Mais bon, Mahmoud, toi qui fais beaucoup de chirurgie endoscopique, tu sais que, enfin, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à reproduire nos collègues américains qui n'ont que 3 ou 4% de fuite de LCR après des voies étendues. J'en ai plus et ça m'embête. Il nous a quitté, je crois, l'avion d'école. 3-4%, c'est des mensonges. Et puis faire le. Mais oui, mais moi, je n'ose pas le dire. Moi. Et reconstruire avec un flap nasoceptal, c'est une morbidité atroce pour les patients. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Oui. Bon, Mahmoud, on te souhaite un bon vol. Merci beaucoup. Hein. Merci, merci beaucoup pour ta participation. Merci. On va passer Adrien. À très bientôt. Oui, bonsoir. Au revoir, Henri. Yep. Adrien. Au revoir, Mahmoud. Tu m'entends? Oui. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Ah, très bien, merci. Et toi? On a pas mal de questions, non? Alors, il y a une question. Oui, bonsoir, professeur Dufour. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, il y a notre collègue Guillaume Lemestre qui voudrait poser une question, je crois. Guillaume. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui, Guillaume. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à la partie des méningiomes qui dégoulinent en fait dans la selle, avec laquelle j'ai été parfois un peu embêté. Alors, parfois, elle n'est pas vraiment insérée, cette partie, donc du coup, elle vient assez facilement et on arrive à la luxer en fin de chirurgie avec une curette ou un instrument un peu court. Et parfois, elle vient moins bien parce qu'elle est insérée et parce que le méningiome, il garde un peu une insertion en arrière du tubercule. Et du coup, cette partie-là, on est obligé, sinon, si on veut aller la voir un peu mieux, du coup, de tracter plus fort sur le lobe frontal. Du coup, est-ce qu'il faut la laisser? Est-ce qu'il faut essayer de s'attacher à essayer d'aller la retirer quand même? Est-ce que fraiser, on prend le risque d'aller du coup ouvrir le sinus si le tubercule est fin? Je suis un peu embêté avec cette partie-là du méningiome. Ben oui, c'est une bonne question. Il faut essayer de l'identifier en pré-op. C'est pour ça que moi, depuis qu'on a une 3 Tesla à l'hôpital, ça fait plusieurs années, je ne sais pas depuis combien de temps, je fais faire des T2 3 Tesla, sur la 3 Tesla, des séquences T2 coronale sagittale axiale, et je les regarde vraiment dans tous les sens. Et ça permet de voir justement ce que vous dites, si le petit bout qui descend, qui vient plonger, si l'insertion se prolonge à ce niveau-là ou c'est simplement un bout qui est prolabé vers le bas et une fois qu'on aura désinséré, il va monter tout seul. Mais c'est vrai que quelquefois, moi je me souviens quand mon patron opérait les méningiomes et tubercules, on ne les a pas, on avait des bipolaires concordes, des bipolaires qui étaient angulés pour justement aller dans les coins.
Mais j'avoue que moi, maintenant, je n'aime pas trop travailler à l'aveugle. Alors après, on peut utiliser des endoscopes pour voir ce qui est un peu aveugle. Mais bon, j'avoue que j'ai jamais été. Enfin, j'ai jamais. On arrive toujours à trouver la solution. Mais l'idéal, c'est de l'anticiper sur l'IRM préop, de voir ce petit bout-là, comment on va faire pour le traiter. Et comme je vous l'ai dit, si c'est vraiment des gouttières très verticales, où il va falloir tracter sur le lobe frontal pour aller là derrière, peut-être envisager une voie basse, s'il n'y a pas une grosse expansion supracellaire. Mais bon, c'est vrai que ce problème-là, s'il y est, qu'il faut trop tracter, oui, vous pouvez le laisser. Hein, si vous avez décomprimé les deux nerfs optiques, qu'il n'y a plus de tumeur au contact des nerfs optiques et qu'il reste un petit fragment là en bas qui file sur le diaphragme, c'est peut-être à laisser, à surveiller, éventuellement traiter par une radiothérapie stéréotaxique après, hein, si ça se remet à grossir. Mais c'est vrai que la gouttière et le fait qu'il y ait des fragments qui soient un peu en aveugle, ben c'est problématique, effectivement. Je n'ai pas la solution. Faut essayer de le voir avant, ça, je pense. Adrien? Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, une deuxième question du docteur Boiré. Bonsoir, vous voulez prendre la parole? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur Dufour, et j'ai bien suivi votre. On vous entend pas. Vous avez noté la question, Adrien, non, peut-être? J'entends pas. Non, on l'a pas. Allô, vous me recevez? Allô? Oui. Allô, vous me recevez? Ilfa, oui, un Allez-y. peu haché. Allô? Oui? Vous entend, allez-y. Est-ce qu'il l'a marqué, il a écrit ou pas? Non, pas vous pouvez écrire la question sur le chat. Allô, vous me recevez? Oui, tout à fait. Allô? Oui? On vous écoute. Allô? Non. He can text. He can text a question. I'll ask him to text the Yes. question. Yes. You can write your question on the. Tu cliques sur converser en bas et vous pouvez écrire la question. Ah, je crois qu'il est parti. Il a Ah une ouais. mauvaise connexion. Il a une mauvaise Ah ouais. connexion. OK. C'est reconnecté. Pas encore. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc on va peut-être Allô? laisser. Ah, ça y est, il est là. Voilà. Oui, Fa. On vous entend, allez-y. Yeah. Can you ask him Il n'y a to pas d'autres text his question? questions? He wants to text his questions, Fa. Please text your questions, Fa. I don't know if he heard me. I know we can hear him. Okay, whatever you want to do, Saïd. Je lui envoie un SMS à Fa pour lui demander s'il veut bien écrire la question. Du coup, je sais pas si je peux éventuellement en profiter. Moi, j'en avais peut-être une seconde. Guillaume. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Peut-être que vous en aviez parlé avant. Là, je sais que par exemple, je suis une patiente là, qui a un méningiome, vraiment un tubercule cellulaire, qui a une taille quand même significative, qui fait dans les 2,5 cm, 3 cm. Il y a un effet de masse certain sur les voies optiques. Mais pour l'instant, l'atteinte optique, elle reste extrêmement modérée. Elle a une espèce de rétrécissement concentrique du champ visuel, mais elle n'a pas d'hémianopsie ou de quadranopsie. Elle n'a pas de baisse d'acuité visuelle. On sent qu'il va être chirurgical. Cela, vous voulez temporiser, vous attendez la baisse d'acuité visuelle ou si vous sentez qu'il est d'une taille significative, autant y aller, même s'il n'y a pas d'atteinte objective. Ouais, j'en ai parlé au début, Ouais. ça, Guillaume. Mais j'ai pas la réponse. J'ai Suis montré désolé, je justement suis le arrivé cas en retard. clinique. Non, 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 mais pas du tout. Mais j'ai pas la réponse. Ma réponse il y a quelques années, c'est de dire ah bah oui, puisque de toute façon ils vont avoir des troubles visuels, on sent que ce sera chirurgical. Moi j'ai aggravé une patiente. Hein,
qui se plaignait de pas grand-chose. Elle avait une atteinte visuelle quasi post-symptomatique. Et maintenant, elle a une amélioration bitemporale. Et je ne sais pas. Si le débat est ouvert, je n'ai pas la réponse. C'est rare que je dise ça, mais je ne sais pas. Demain, je vois le même malade que vous, je ne sais pas ce que je lui dis. Mais ça, c'est humain. Hein, on préfère que ce soit le ménagium qui l'aggrave que nous. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, il y a toujours aussi voilà, ce côté de se dire, bon, bah, plus il est petit, plus il est facile, entre guillemets. Bon, même s'il n'est pas si petit que ça, dans l'occurrence. Mais... Okay. Si vous avez... Si vous avez sur l'IRM, notamment sur le T2, si on voit que le nerf optique est refoulé, mais qu'il n'est pas trop déformé, c'est mieux de l'opérer avant qu'elle ait des signes. Hein, parce que c'est vrai que plus un méningiome comprime, plus il a des chances de traverser la pimaire ou bien de s'incruster dans la pimaire. Et nous, qu'on provoque des lésions en l'enlevant, mais... Les malades qui vont bien, vous savez, nous tous qui se plaignent de rien, tout ce qui peut arriver après, c'est qu'ils soient moins bien qu'avant. Hein. Ouais, c'est compliqué. C'est la question éternelle. Hein. Poussez-la à prendre plusieurs avis, comme ça, elle se fait une idée, elle aussi, hein, parce que quelquefois, un même discours dit différemment par différents médecins, ça peut être compris et le patient il métabolise son truc. Hein. Moi, quand je ne sais pas, je les pousse à prendre d'autres avis. J'ai un avis tranché, mais que je sais que l'intervention va être lourdissime en termes de suite, je dis, écoutez, prenez d'autres avis, allez voir un tel, et puis vous voyez ce qu'il vous dit, éventuellement on se revoit, mais moi, cette patiente, j'ai montré le cas avant que vous connectiez, je la vois, hein, et je l'ai opérée un an et demi plus tard, après l'avoir vue. Parce que j'avais vu un micro-chouïa. J'attendais qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Et je vois un micro-chouïa sur le champ visuel et je l'ai aggravé. Bon, elle ne m'en veut pas, hein, mais bon. Voilà. Adrien ? Merci. Oui, Adrien ? Oui, je suis là. Il y a Takashi qui est connecté. Est-ce qu'il a des questions ? Non, il a écrit quelque chose, je ne pense pas qu'il ait de questions. Par contre, Fa, je pense que c'est reconnecté. Fa, vous voulez prendre la parole ? Oui, allô, bonsoir. Oui, on t'écoute. Ok, alors, je suis docteur Boiré, et Fa, neurochirurgien à Marrakech. En fait, j'ai suivi de près l'exposé du professeur et du cours. En fait, je voulais juste donner mon avis par rapport au... par rapport à quel côté aborder en fait durant la voie haute, est-ce qu'il faut partir du côté homolatéral ou du côté opposé à l'adhésion. Il m'a dit que le côté contralatéral serait mieux quand on vient en fait par la voie contralatérale facilement on peut identifier le nerf optique contralatéral et éviter en fait d'endommager ce nerf. Allez, on peut avoir un contrôle visuel sur le nerf optique contralatéral, identifier, le protéger et essayer en fait de partir sur le méningium et à partir du méningium, partir justement pour repérer le nerf optique homolatéral. Donc, certes, là, le chemin peut être plus long pour aborder en fait, le méningium et pour arriver au nerf optique homolatéral, mais je pense que aborder par le côté contralatéral serait mieux dans ce sens. Ça, c'est mon point de vue. Je n'ai pas de questions, mais juste donner mon point de vue par rapport à quel côté aborder. Merci bien. Donc, vous préférez passer par voie contralatérale au nerf optique le plus atteint? Oui, par voie contralatérale. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Si on occulte l'odorat, si on intègre l'odorat dans le risque, il y a plus de risques sur l'odorat. C'est ça mon problème. D'accord.
Il me dit que peut-être on pourrait plus mieux identifier assez rapidement les nerfs type contralatéral qui n'est pas touché, qui n'est pas assez comprimé, le protéger et aborder en fait le méningium. Et à partir du méningium, on peut accéder au nerf optique qui est plus comprimé en fait, voilà, donc par le méningium et disséquer progressivement. Oui. La voie peut être un peu longue. Et de tirer un poids au méningium, ça peut épargner au nerf optique contralatéral. Et pas au nerf optique homolatéral peut être assez long. Pardon, je voulais juste poser une question. Est-ce que c'est le côté contralatéral par rapport à l'extension ou vers le côté de l'extension ou plutôt vers le côté du nerf, parce qu'il y a deux choses. Oui. Avec des nerfs intacts, mais une extension d'un côté, est-ce qu'on part du côté opposé à l'extension ou on va vers le côté de l'extension? Est-ce que c'est ça la question? Du côté de l'extension. Du côté de l'extension, je me dis que là où il y a l'extension, il y a plus de probabilité que le nerf, en fait, il se... Donc, côté de l'extension. Donc, le côté de l'extension étant le côté, disons, homolatéral. Donc, moi, je pense que c'est très préférable de passer par le côté contralatéral, là où il n'y a pas d'extension, où le nerf est moins comprimé, et probablement là où le nerf, en fait, est plus fonctionnel. Comme ça, on pourrait identifier facilement le nerf, le protéger pour éviter une aggravation fonctionnelle post-opératoire. Comme ça, aborder après le méningium, identifier le suivre en fait la capsule qui va nous mener au nerf optique homolatéral qui est plus comprimé par le méningium. C'est une bonne dissection. Voilà, éviter. Et comme ça, c'est je vois. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Henri, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas très, très bien compris le... Moi c'est... J'ai cru comprendre qu'il était... qu'il était favorable à opérer par voie contralatérale au nerf le plus atteint. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui, donc c'est vrai qu'il y a un parasite derrière qui nous gêne à bien écouter le... Oui, je suis assez d'accord avec ça. Merci Fab pour ton intervention. Adrien, pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'on a Takashi? Parce que la dernière fois, on ne l'a pas eu. Est-ce qu'on peut le contacter? Il est là, Takashi, oui. Takashi. Takashi. Hello, good evening. Hello, everyone. My friend. How are you? I'm fine. I'm very fine. A very informative speech. Thank you. I'm happy to see you in our webinar. I cannot speak French, but my son went to EDEC in Nice, so I'm starting to learn French a little. Yes. So, yeah. Yes. Bonsoir. So we have in our webinar Adrian, who speak Japanese. He can do translation in Japanese. Right. Oh, I speak mostly Chinese, and I'm starting to learn Japanese. Yes. I would help French to Japanese. Someday I try to learn French and English to Japanese. I'm available, so please keep attending. Thank you for a very informative lecture. Thank you to your presence with us. It's a great pleasure. Thank you. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également. Henri. Yes. Bon, je pense que on va te libérer. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de t'avoir.
Ben, merci à vous. C'est toujours très enthousiasmant de faire une présentation internationale, les fesses dans la chaise de son bureau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. John, à bientôt. Alors. À bientôt. John, we have John? Finished. Yes, Ariel is going to close. Go ahead, Ariel. Yes, next, in 2 weeks, we have Professor Samir Elbaba from Orlando. We'll talk about fetal neurosurgery of spina bifida. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la lecture, docteur. Merci, Ariel. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. Thanks, everybody. Au revoir, les docteurs. Thank you. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.